Merci vraiment à Libération Angaï, à Sepeli Makasi. Première fois Angaï, Nauta Gemena. Mais Koko ma awa ande na yaki, na gika oluka vie abana mibali. Mais fait à moto et Koko tchanga prison. Première fois Angaï na mona prison. Mais na makambo na moni na bande ko bile, to lalaki na bango bakufi, na biki nzambe azwalo komu. Et puis, na pesi ministre mbote bile pe na bagisele bile parce que. Na lolenge ya sali abimisi biso nazalaki kondana ya deza na sali inane 8 mois et demi mais lelo na bimi na landi bana na ngai nzambe azwala kumu vraiment na bakisere bele penza kumu na ngai jalunga na nzuzi Christian nazalaki na pavillon 3A na sali 2 ans kondane ya 3 ans oya yebe lungu oya yebe yango bon gefa benga nga maita nga singa nga mbungu mais lelo tomoni papa ye moko ye atiki biso sambungu sali kamoko oyoke asenga biso eloko yango tosengi kaka oyo nyonso akoluka kontre ye nzambe ya likolo ya lola po akela biso bato abundela ye na oyo awa toya sali biso na tomona ministre na boyete tous le ministre bayaka awa balobaka na biso oyo bazalaka tomona réaction te mais ye mpa na ye tomoni réaction moko ya bien elembo ya malamu ya tata nzambe sika ete nzambe ya likolo abakisela ye mikolo na mikolo apambola ye na famile na ye nayoki biso mpe bato batiki biso tolukaka etambola ya malamu bandeko batikali awa bazala na bobangi te bamoni ngai lipasa oyo tozali na bona pavillon toa baotala ngai te bamoni ngai bazala bobangi te papa alobi grefe oyo bakobenga ye likolo grefe asenge mbongo aluka mokonzi moko apesa deklaration wana bakokanga grefe wana papa azotika bato sa mbongo sa kozima moko azokipe dosie te seke bandeko nde tomibatela message napesika yango wana bakangana mpo na bundaki nasali inane napesi merci na ministre ansi abimisi so na kati ya prison kolia komi kitoko makama sekomi bien nasepe kana change mibeko ya prison na biso ministre asali biso faveur na prison asali ntan ebele na kati ya prison me nazwa grâce oyo te na grâce ya monsieur ministre François Mutamba na dimi mpe prison mpe na keke orajon de famille na ngai libanda bandeko mpe batikali batia mpe molende ke mesie François Mutamba aotika bango nde tobimi tozonga esu te mpo oyo ezoya toyebi te je m'appelle monsieur Evariste Malutika je suis prisonnier parmi tant d'autres en tant que prévenu connaissant bien mon pays la justice congolaise était vraiment malade, plongée dans la misère la plus noire et la plus sombre de la planète pendant plus de 4 décennies. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Constant Mutamba, c'est la justice congolaise dans l'innovation au temps présent. Avec Constant Mutamba, que dirais-je, c'est une thérapie endogène de proximité. Avec Constant Mutamba, je dirais carrément que c'est un signal fort pour une justice forte de demain. Constant Mutamba, à l'heure que nous sommes, n'est pas à l'impunité ni aux intouchables. Constant Mutamba veut ressortir une justice propre à la 4e République qui n'est pas la copie conforme de tous les régimes passés. Avec Constant Mutamba, je dirais carrément que c'est la grande bataille jamais livrée entre les valeurs et les antivalaires. Nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de bien confier sa mission à Constant Mutamba parce que nous avons dit le renouvellement de la classe politique ne consiste pas à remplacer des vieux par des jeunes, ni des anciens par des nouveaux, mais cela demande tout simplement à renverser les chefs des valeurs, en remplaçant la moralité par l'immoralité, par la moralité, le traitisme par le patriotisme. Et que dirais-je, la malhonnêteté par l'intégrité. Voilà pourquoi nous disons, il est temps que les médiocres dégagent et que les hommes intègres prennent les choses en main pour faire pousser notre pays vers l'émergence. Car la justice, elle est inégale.
c'est-à-dire le juge, sont en train de boutiquer avec des avocats, le magistrat en train de boutiquer avec des avocats et le juge avec des greffiers. Donc la justice, elle est malade. Mais avec Costa Mutamba, voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il le fallait. Bonjour, bonjour la grande famille de B52, la mignonne officiellement, votre humble servante Maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. En tout cas, je nous dis toujours que si vous êtes abonné ici chez B52, la mignonne officielle, c'est parce que vous avez besoin d'être informé à autant réel. Voilà. La famille, aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler sur cette affaire de libération de prisonniers à la prison centrale des Makala Kinshasa. La famille, je crois que vous avez, au début, hein, je vous ai mis une vidéo. On a vu comment est-ce que de prisonniers ont été vraiment, ils sont vraiment contents. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de prisonniers Oyo Bazalaka jamais entendu ndenge kakizalaka, mais aujourd'hui ils sont libres. C'est pourquoi on va essayer de parler. Je vais vous mettre quelques petites vidéos de quelques débats de personnes et on va essayer un peu de comprendre. Ok, merci beaucoup pour l'attention. Ok, merci pour l'attention, merci pour moi j'appelle ça c'est vraiment une grâce pour moi de vous retrouver ici chez B52, la mignonne officielle. Laisse-moi vous dire que vous n'avez pas fait un mauvais choix de vous abonner ici chez B52, la mignonne officielle. La grande famille, la semaine passée, le vaillant ministre de la Justice Constant Mutamba a ordonné la libération de plusieurs prisonniers dans la capitale Kinshasa. Parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas condamnés, mais qui sont retenus sans motif valable. D'autres étaient très malades. Je vais vous mettre deux vidéos, vous allez voir, la famille, c'est vraiment, j'ai eu pitié. La vidéo que je vais vous mettre tout de suite là, de prisonniers malades qui ont de blessures. En tout cas, je vais demander, si vous n'avez pas un cœur sensible, ne regardez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne regardez pas, parce que ce sont des vidéos choquantes. Ce sont des vidéos qui font très mal de voir nos frères et sœurs, malgré qu'ils sont des prisonniers. Mais moi, je sais que le prison ne peut pas être ainsi. Comme je disais tantôt, le ministre Constant Mutamba a ordonné la libération de plusieurs prisonniers dans la capitale Kinshasa. Parmi eux, il y a ceux qui ne sont pas condamnés, mais qui sont retenus sans motif valable. D'autres étaient très malades, sans avoir de soins appropriés. Je vais nous mettre d'abord la vidéo. Vous allez voir comment. Et puis, on va revenir juste après pour essayer un peu de parler sur cette affaire. Suivant la vidéo, parce que moi, quand je nous parle, je vous amène de preuves. Je ne viens pas parler pour le blablabla, je viens parler avec de preuves. Suivant. Premièrement, on a passé nos remerciements. D'abord, on a chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, le col accordé ministre Naye Yapé, à Luka Aya, à Bimisabiso 4-4, à Pasoyo, Tozo Kemba, Toza Bananamboka. Bakanga yanga na yibate na bundate bakanga kanga invaka bundage boye ba memanga tina susette ba komisinga no auditora naza civil tala na zokemba la mabendela makolo naza civil na yibate na bundate na sale lo côté naza muntu naza nga famille ndenge bazobi msanga boye na te yami c'est que mabe o to bandaki ko sala biso tout to changer ba to cyber ba maladie. C'est que au ministre a sali biso mais et pèse biso sous encore un plus bolimbi sabiso papa ministre yoka kole la ba na yo tala dossier na biso papa to e ba juridiction civile te to e ba juridiction militaire mais to za ba civil c'est que papa tala problème na biso ba peuple normal no ba civil to za ba soldat te lelo ba benga na juridiction militaire na bima. C'est que Nzambe ndenga sunginga na rozongela lisusu makambo bakosela kinga ite. C'est que na zui mayele ona lingaki na loba ya muke yango ele kote vaka bona zikaka depuis bakangai lokole pola donc
Je passe moi bien. Exacté. Je suis solo. Je suis les gens. Ni sende. Attendez, biso. Abim sa biso. Voilà la famille, je vous avais dit que si vous avez un cœur sensible, ne regardez pas, vous avez vu. Quand j'ai dit qu'il y avait des prisonniers malades avec de pleurs, donc vous ne pouvez même pas regarder des fois. Il y avait des mouches, ma bandine partout. Donc ils n'avaient même pas des soins appropriés. Mais la grande famille de B52, la mignonne officielle, aujourd'hui je confirme que lorsque le président avait dit que la justice était malade, je confirme cela. Je confirme la grande famille, excusez-moi de nous le dire. Comment envoyer des paisibles citoyens dans des prisons sans dire les droits comme il faut? Comment? Bokangi mutu bo entendre yete ezanaba ba faute mususu mutu sokasali, même si moi je pas fait le droit, je ne suis pas avocate, je pas fait le droit, mais je sais que atana katandaku, tu ne peux pas punir un enfant sans pour autant l'entendre. Dans de pays sérieux, plusieurs magistrats doivent être révoqués et traduits en justice. Là, je m'excuse de les dire, la grande famille. Je m'excuse de les dire. Je m'excuse de les dire. Récemment, les journalistes Abuja Kera avaient dénoncé les conditions carcérales de prisonniers congolais. Mais le gouvernement avait démenti. Oui, les gouvernements avaient démenti. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison. Hein? Tout le monde lui donne raison. Presque chaque jour, il y a des morts dans nos prisons à cause des conditions de vie. Les prisonniers ne sont pas pris en charge par l'autorité. Logiquement, les ministres de droits humains, le directeur de prison, etc., doivent être interpellés. En tout cas, que le bon Dieu se souvienne du ministre de la Justice Mutamba, ainsi que du président Fatshi, qui a permis la libération de nos frères et sœurs qui étaient dans l'enfer. Parce que notre prison, ils ont déjà enfer. L'appareil judiciaire doit être formaté, car il y a trop de monstres sans cœur parmi eux. Là, je vous assure, la grande famille, ne me tenez pas en regard, parce que ce que j'ai vu, je me suis dit, Seigneur, ces gens doivent avoir moté mamoroyamabe. Et récemment, nous avons suivi le magistrat qui disait qu'ils vont toujours envoyer des gens à Makala. Le ministre, hein, il disait ça, le magistrat, pardon, il a dit qu'ils vont envoyer les gens à Makala. Ils savent très bien que c'est rempli. Parce que nombre à Batouba na prison na bisou à Makala. Et un nombre effectif, te oyo. Normalement, il fallait Batouba za anakati. Les gouvernements doivent vite songer à construire d'autres prisons modernes, s'il vous plaît. Et partout na RDC, les prisonniers vivent en enfer dans de prisons. Que chaque ministre provincial de la justice emboîte le pas, s'il vous plaît. Bozoanon lokolo ya minya mutamba, pardon. Entre nous, est-ce que infraction nyonso, il faut qu'on tinda mutu na prison? Moi, je sais qu'il y a d'autres infractions, mais fouti mutu amande, ok?
Moufouti Moutouamane, et puis il va voir que non, là, je ne veux pas répondre, je ne veux plus reprendre cette horreur. Nous sommes les magistrats qui ont été capables de faire ça, il y a liberté provisoire. Et bien, on a 500 dollars ou plus. Et bien, on a 500 dollars ou plus, si j'ai une bonne mémoire. Parce que nga makamba politique na ebi sebi so na bande ko linga ngoti pour makamba politique na biso pe sa nga les mots tension. Moi je les charge à moi privé personnel, j'ai ma famille que je dois nourrir, j'ai la famille que je dois look after. Mais tant qu'on bande penser les choses pour makamba politique na biso, ça me donne le monter ma passion. En tout cas, merci au ministre qui a décidé ba ko ma ko fouta mbongo na banque. Comme ça, ba yibi wana nyonso tout, ba mi yibi wana nyonso tout en cravate. Tota la bino lissous. La faculté de droit en RDC doit fermer ses portes, même pendant 2 ans. Ba juriste, bo yu ki si mbo kanabiso soni, wana toko kosa, te tozo ko lobango a haute voix. Na bo ko lobango na français, na o lobango na mnoko, na langila na biso. Ba juriste, bo yu ki si mbo kanabiso kongo soni. Normalement, le gouvernement doit réparer cette préjudice. Ba zwa son ya ba malade o nyoso ba zana prison ana. Bazo swena bango bomoni ba pota la famille bomoni banzinzi bazo nangina na munoko na biso mboka na Kongo tulu bango bon banzinzi bazo nangini na mutu likolo a pota lokwa Thompson e komi deja 18h bimisi makila banzinzi bazo nyon. Oh my God, this is very sad. It's really very sad. Maintenant, c'est pas mauvais aussi, c'est que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a fait. C'est pas mauvais, c'est un acte encourageant. Et ça, il y a beaucoup de choses. Mais nous avons maintenant besoin de savoir. Batoua na babini si sort na bango ezanine. Na sou tche la biso nan mwa video moko, bandeko moko ba meki ko sala mwa analyse moukye. Nga na bino, hein, to meka ko landa bango nanou, to landa bango ensemble. To ka reflexion na bango, est-ce que ils ont bien réfléchi ou bien, parce que ba makambo, bon moni, likambo e salami en plein air. Si vous allez dans de vidéos précédentes, j'avais parlé de ça. Donc merci Seigneur parce que na moni que malgré ba chaîne na biso ezana ngo mikie mais ezana batu balanda biso ba komisara ba message na biso. J'avais parlé de ça que batsane en plein air ba bengi yo yaka awa ndeko yaka awa yo bakanga pour nini parce que ebele bazala ki na toyo kiango bazala jamais entendu. Gloire à Dieu, ministre de la Justice. Bravo et salami ngandenge na panakanisa ki na kumisi nzambe parce que étant que patriote étant que congolaise moi idée na nga zala ki nango ekoki sami na sochela biso débat ya bandeko na biso ba meki un peu ko solo la ba meki ko solo la non sur cette affaire ba pesi pe moi ba idée na bango to landa bango tous biso nyoso to elongo justice congolaise. Dans ce contexte, ceux qui se sont retrouvés en détention des années sans jugement et qui sortent aujourd'hui doivent se retourner. En règle générale, ils se retournent parce que voilà, on peut pas. Nazota, là, par exemple, sur le Twitter de Stani Boujakera, il cite un cas, une personne qui restait 21 ans en prison alors que semble-t-il, il y avait rien, le dossier était vide. 21 ans de votre vie à être en prison pour n'avoir rien fait, je pense que ça nécessite quand même réparation. Et il a fallu que Stani le révèle, qui est dans un premier temps de démenti, puis par la suite qu'il y ait une action qui a conduit à la libération de ses compatriotes. Ngana tuni bandeko na o lelo ba obtenir liberté. Bon, pour nambo kana biso to suka kana n'affaire. Ah, ministre a libéré Bango. Ah, c'est très bien. Ton commissaire te remercie. Mais le ministre représente l'État. Batouana, ou Baza libéré, alors que Bas Sengela Gite Gozana Boloko. Baza qui détenu, par abus, Toloba, Toba Sambisi Bamote, Bavanzi, Banga, Wana, dossier de Mango, Toyébite. Il y en a d'autres qui sont encore là-bas. Maintenant, à qui la faute? Bah, ONG des droits de l'homme, bah, dossier en Rwanda. Parce qu'on doit, il faut qu'il y ait des responsabilités.
Ça, c'est de un. De deux, je pensais que Roger osait aller insister dessus. Il n'y a pas que l'événement Ezaga Libération, il y a plus de 1000 détenus. C'est aussi les conditions dans lesquelles certains ont été libérés. Il y en a qui ne marchent pas. Il y en a qui ne marchent pas. Bozan à prison, Makala, Naba Potabo, mais l'État doit être poursuivi. Je suis désolé, c'est pas possible. Negenini, parce que Moto, Ata Azalina Boloko, Azalina droit, Yako jouir, Naba soin de santé, Yako li appel à Rosana santé à Malamo. Comment expliquer que Bandekwana, sur les images, on les voit avec des plaies dans ma colo, santé à ma baie. Je ne sais pas. Tozoku misara babimi, mais babimi dans ma condition, il y en a qui sont très malades, il y en a peut-être santé dans ma baie, compliqué. Bref, il faut à un moment donné que cette affaire soit prise en charge. Et puis il y en a qui n'ont plus de repères, attention. Kosa Anabolok, au 21 ans, t'as peut-être plus de repères, peut-être moi, au Balaki, moi c'est à Kimio, tout ça, parce que Nini, et tu te retrouves, et il y en a qui se retrouvent dans la situation où c'est peut-être mieux de rester en prison que de sortir. Parce que Kula, peut-être qu'on a moins d'amage, peut-être. Et puis tu n'es pas, et puis aucun enfant là. Et la situation à Berre et à justice, c'est vrai. Nabambo, comme on souvient, tu remarques à Kango, un peu plus dans les États-Unis parce qu'il y a l'habitude de médiatiser les Alaba. Tout le monde a quand même, tous ceux qui ont été victimes, Berre, Bongo, n'a sorti, comment retenir l'État s'organise pour la réparation. On ne peut pas détenir Moto injustement avec plus de 20 ans quand il y a prison et pour obligner au tiki est bon la nature. L'État congolais devait agir dans le sens de la réparation. Déjà, dans le moment où le constat était que Moto n'a pas qui est du fait qu'il y a arrestation, mais qui est correct était. Mais il faut et qu'il y ait dossier des acquis vides. Oui, mais il faut à fond ONG, et on a lobby à interpeller ONG des droits de l'homme. Qu'on voyait très actif il y a peu, mais si quoi, tout le monde a bango, malili, trop, c'est des dossiers, oh, c'est n'allez qu'on se saisir, n'a yango, hein, soit, bandekouana va fondi l'État, soit, que ONG, soundi bango, pour être, saisir, juridiction compétente pour que, justice soit faite en faveur, y'a bandekouana. Et j'insiste, état de santé à Bandeko Babimi na prison et Sengeli peut être interpellé. Qu'on ne se limite pas à l'action de libération des prisonniers, il faut aussi se demander pourquoi et dans quelles conditions ceux-là vivaient, dans quelles conditions d'autres qui sont restés à Makala vivent. Au même moment, nous saluons ce qui est fait par le ministre Constant Mutamba, mais je pense que ma question est à Ndeko Samuel Katula, et ils ont raison dans moi à cause là. Est-ce que ces prisonniers malades sont aussi des détenus condamnés par la justice congolaise? Est-ce que bah purger ma peine na bango nyoso? Est-ce que na kati na bango bah condamné tout bah criminel basalité? Parce que ton qui qu'on déplorait bah situation bah des détention condition de détention, moto azali kozo maladie, moto a komi bongo, moto a perdre mobilité nae, bah kondi bah sali bongo bah pota, eza malamu mais ceux qui ezara rapport na condition de détention améliorant bah condition de détention, mais ceux qui bateau basali ko libéré, basali bateau basala qui condamné basile ici au purger la peine n'a pas monté basile ici bas problème basala qui n'a pas la justice et aller aussi retourne la ministre de la justice comment est-ce qu'il procède n'a pas libération de choses à l'écoute ça les mois tant un traitement à dossier on parle là depuis des 1600 personnes au babimi d'un seul coup est-ce que bas 8 ans il y a qu'on étudie dossier par dossier au-delà il y a autres alliés comme on a mention et à ma pota ma colo à bateau mobilité zalité et autres mais il faut aussi interroger justement la procédure mise en place pour n'a qu'obimi sa bateau cascade, n'ayez allé comme ça, la peau est à la tête, à la longue, retour, il y a problème, la carte, il y a société, il y a bateau, l'État, tiens, qui moussika parce que il constitue un danger pour les autres. Famille, je pense que tout ce que nous avons dit, surtout, nous avons dit, nous avons dit, la pembe. Nous avons dit, nous avons dit, la pembe, nous avons dit, nous avons pas si ming na motema. Nous avons vraiment pas si ming na motema. Maintenant, la grande famille, je vais nous mettre réaction. Il y a quelques publics où on va réfléchir, ça rappelle tant que peuple est congolais. Où on va ni ba juriste, où on va ni ba tout ça la droit, mais toujours réfléchir. Toujours réfléchir, la famille. Toujours réfléchir. Et puis à la fin, na roche la biso, bon mon andenge ba prisonnier ba sepeli, ba zane sengo ba bimi.
nakozonga lisusu te po na lelo mais nakolobaka eloko moko soki tolandi ba témoignage ya ba prisonniers tout ko comprendre une chose que souffrance ya bande ko na biso je vous jure tolanda témoignage kara ya bande ko na biso tolandi mwandambo pour comprendre la souffrance ya bande ko na biso. Toujours quelques interventions ya bande ko congolais ba peuple congolais. Et puis na ko tie la biso tolanda. Esengo ya peuple congolais, esengo ya ba prisonniers ndenge ba bimisi bango enfin misusu ezala ki po ayiba ki peut-être loko ba miyibi o bazana parler ma ba miyibi o ba na gouvernement na ba cravate na mituka ba voyage pamba pamba kotinda bana na bango ba kinoko tanga na bamboka ba paya biso bana na biso bazo kemba awa na kinsonson na moya kinsonson wana bazo simba bango te tout landa réaction ya peuple congolais. Nzamba pambola biso bisikanya soboza tout bonde la ramakasi pona ministre na biso ya justice Constant Mutamba pona buania o nzamba tsepa na kati na e suivant et on se retrouve à la prochaine. Depuis sa nomination, plusieurs détenus ont été libérés. Vous savez, il y a une chose qu'il faudrait savoir. On ne peut pas tourner autour du pot alors qu'on connaît les vrais problèmes. Ces personnes qui ont été détenues pendant autant de temps sans être jugées, sans avoir été entendues par les juges compétents, en violation de l'article 19 de la Constitution, qui prévoit que toute personne arrêtée doit être entendue dans un délai raisonnable. Mais ces personnes ont passé plusieurs années, plusieurs temps, sans être jugées. C'est ce qu'on appelle l'arrestation arbitraire. Mon problème et mon souci, c'est que ces magistrats qui ont pris le courage de faire détenir ces personnes abusivement, arbitrairement, au-delà du délai raisonnable, doivent être poursuivis. Chers amis, si aujourd'hui ce n'est pas toi qui es arrêté, sache que demain ce sera toi. Et lorsque ce sera toi, tu comprendras en fait les problèmes qui traversent notre justice. Il y a un grand penseur qui disait que la souffrance de l'homme congolais, c'est tout simplement parce qu'il ne réalise pas encore sa peine. Le jour que le Congolais réalisera sa peine, sa souffrance prendra fin. On ne peut pas continuer à voir une justice qui a des magistrats qui font arrêter les gens comme ils veulent. On peut bien opérer un désengorgement autant de fois qu'on en veut. Mais aussi longtemps que ces personnes qui remplissent les prisons abusivement avec des détentions illégales, aussi longtemps qu'ils seront là, ça ne sera qu'un coup de fouet dans l'air. Ba prisonnier ba bimi na prison. Prisonnier ba bimi na prison. Ba prisonnier ba bimi si bango nyonso na prison. Prisonnier ba bimi. Prisonnier ba bimi na prison et belé. Tala va prisonner ndenge bazobi. Ba prisonner ba bimi ebele o nyozo mona ba prisonner. Bimisi batunyo son na prison. Batunyo so ke bana mi. Ko bana mukoka. Ko bana. Ma chede kaka bana mi.
Nyonso. Papa. Bobimi. Prisonnier va bimi bango nyonso na prison. Tous les détenus basa Libanda, passant de chez soi ici. Garçon, t'es à ça terrible. Avant dans la colle. Merci beaucoup. Ma paix sur les années. Oh, na la 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 mignonne. Bon, c'est la 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 la
L'obésala qui n'a dit, c'est un an de yobou, yabona un. Yamoso pesa pour ça, pour son guise, un gabé bien en moi. Passa la main, chaussée, caca, pour la voiture.